Entre Sochaux en jaune et Metz, le dénominateur commun, c'est bien entendu la Coupe de France. Deuxième mi-temps et l'unique but du match, Lucas le Sochalien profite d'une erreur de quartier. Ballon pour Thierry Loret, 1-0 pour Sochaux, qui poursuit donc son chemin vers les 16e de finale. Sochaux vainqueur, mais pas revanchard.